Oh là. Oh, j'allais dire la double, la taloche, mais il a un cheval qui crache des flammes. Moi, il a des petites cornes. Moi, il fait du fromage de chèvre. Oh, son bouclier est trop cool. Mon objectif dans la vie, c'est de devenir ce personnage. Donne-moi ton arme, baby, ton cheval, baby. C'est le draconique like you. Oh, l'excès de confiance. Alors là, je pense, pour vous faire un petit récap, on a cassé la gueule de plein de boss, j'ai récupéré aucune carte, mais j'ai enfin trouvé comment est-ce qu'on récupère les cartes, donc on va pouvoir le faire. Il va falloir réussir à passer quelques niveaux. Vraiment, les mobs me mettent des taloches et il faut que je leur mette 240 000 coups, donc il faut qu'on prenne quelques niveaux. Et je voudrais essayer d'explorer un peu par là, on a la carte qui est à récupérer ici. Je pense qu'en termes de dégâts, ça doit être un peu plus faisable. Oh là là, le ciel tout rouge et tout, bah là ça y est. Là on est dans une zone qui est un peu moins chaleureuse quoi. Je vais y aller tranquille, j'ai un peu peur. Simple, hein. J'ai pas trop le droit à l'erreur quand même. Yeah boy. Et là-dessus j'ai une petite phase pour faire pas mal de dégâts. Let's go. J'ai beaucoup aimé ce fight, il était très cool. J'ai vraiment aimé ce combat. Non mais je t'ai pas dit ça, t'as dû avoir une hallucination collective. Oh, dites-moi que c'est l'espadon de Guts. Dites-moi que c'est l'espadon de Guts. Je suis Guts! Oh, trop bien! Je suis comme un enfant. Bon, faut que je passe un niveau par contre. Bon, est-ce qu'on peut réussir à aller casser la gueule des dragons? Un petit pari en moins de 9 tries. Attendez, on tape le terrain pour voir un petit peu les dégâts que je fais, les dégâts que je prends, etc. Allez. Mais c'était d'une violence! On va peut-être pas les faire tout de suite. Ok, je vais me buff et lui maintenant qu'il m'a vu, je suis obligé de le fight en 1v1. Une grosse boule de flamme. Évidemment c'est un sac à HP. Je peux pas le backstab, dommage. Let's go. Et la puissance des mobs. Oh, grand marteau de prélat, jurons la loot. Oh, il est ultra nice. Oh, il est ultra nice. Et je suis tellement content d'avoir à nouveau un gros marteau. Ça me rappelle ma jeunesse. Bon, on va tester un petit peu les dégâts que ce marteau. Mais quelle violence! Dragon du magma, go for it! Avec l'albarde, on ferait deux fois plus de dégâts. Mais ça fera un peu de tryhard. Allez, on va passer sur l'albarde. J'espère que tout le monde va bien. Dallon versus Dragon du magma. Ok, je me buff le temps qu'il arrive. Là, je devrais pouvoir gérer le corps à corps là-dessus. J'ai plus d'endurance, faut que je régène. Là, si je me place sur le côté droit, je peux taper tranquillement. Je l'ai encore une fois. Là, il se booste, donc je peux aller taper la queue à la rigueur. Eh mais en vrai, pour la blague, vous disiez tape la queue comme Monster Hunter. J'ai pas le temps de le crit, je suis pas bien placé. Pas grave, on va bourriner comme ça. Hein. Ce pattern là, c'est ok. Vas-y, je rush. Je brouille, tant pis. Oh, ennemi majeur. Bah tu m'étonnes, ennemi majeur. La tombe des héros de Gelmir. Oh là là, ça fait un peu église... Un peu église sataniste. Oh là là, tellement badass. Non. Le feu, ça brûle. Voilà. Je me disais aussi, c'est beaucoup trop calme. Ouf, je vais redescendre trop vite. Hein. Mais moi en plus, vous savez très bien que j'ai un cerveau cassé pour ce genre de truc. Mon cerveau n'est pas fait pour ça. J'ai un mot du médecin qui l'atteste. Il dit mais Dallon est un débile fini. Ne faites pas des trucs où faut savoir quand est-ce qu'il doit s'arrêter, quand est-ce qu'il doit pas s'arrêter enfin. Petite musique de Benny Hill. Ça pourrait grave. Sinon je peux mettre le Kurbino Jutsu.
Le fais pas parce que je suis sûr que Ben au montage il va le faire. Mais je vais me foutre en l'air en fait hein. Allez s'il te plaît, un point de sauvegarde. Si là il me dit il y a un boss fight, c'est la fin du stream hein. Oh il y a un boss, mais dites-moi qu'il y a une save avant s'il vous plaît. Il y a une petite effigie de Marika. Parfait. Le rouge du champion. Ce jump là j'aime bien. On passe dans le dos pour éviter l'épée. Mais pas grid. Dodge. Je vais le finir là-dessus. Il était cool ce fight, mais vraiment pas simple. Hein. Vraiment, vraiment pas simple. Est-ce qu'on n'irait pas par ici, là? On va essayer d'aller par là. On va voir un petit peu ce qui s'y trame. On va essayer d'aller voir un petit peu ce qu'il y a par là-bas. À mon avis, il va y avoir de la grosse castagne. Regardez ça, cette petite forteresse avec un ciel un peu rouge. Château du Lion Rouge. Ça me paraît étonnant que tout soit autant abandonné, par contre. Il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Ok. Ça a pas l'air d'être des ennemis, par contre. Ah, je vous disais bien que je te trouverais ici. Je dois admettre, j'étais inquiet. Nous avons manqué notre rendez-vous. Mais il semblerait que tu sois encore en un seul morceau. Tu dois être au courant à présent, n'est-ce pas? Que le destin de Rani est maintenu en état de stase par Radahn, le fléau des astres. Si nous voulons mettre un terme à cette stagnation, nous devons l'éliminer. La voie qui s'offre à nous est on ne peut plus simple. Nous nous battons corps et âme. Êtes-vous paré, jeune homme? Que le festival commence. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. Bon allez. Ok, j'ai le timing. Je vais me mettre full live, je préfère pas grid. Je vais augmenter ma résistance. Je me suis avoir sur le timing tout à l'heure, pas deux fois. Je vois plus. La phase 2 qui débute probablement. Je crains une orage. Ils se foutent de ma gueule ou c'est comment? Allez là, j'ai trop envie de le tomber, là, je fais des erreurs. Dire que j'étais à un coup de l'avoir tout à l'heure. Faut que je sois calme, putain. Non. Allez, faut que je fasse une belle P2 là les potes. Est-ce que vous le sentez ou pas? Est-ce que vous sentez un truc là dans ce combat? Putain. Un seul coup. Deux coups, pas plus.
là faut que je me recule, c'est le moment des cailloux. Les cailloux arrivent très très vite. Quand je me suis mis à sparam, je me suis dit putain mais je vais me niquer. Je pouvais pas m'empêcher de taper. Je tapais. Je me disais mais tu vas faire de la merde c'est sûr. Ah te voilà, je t'attendais. J'ai été très impressionné par ta façon de te battre. L'honneur du combat revient à toi et à Radan. Oh et t'as vu ce qui s'est passé après? Cette étoile filante qui est tombée juste sous nos yeux. Jamais je n'aurais pu imaginer que Radan retenait quelque chose d'aussi immense. C'était vraiment une légende vivante. La voie est désormais ouverte. Direction Nokron, où le sort d'Urani se jouera. Rendez-vous à l'étoile filante, où l'étoile filante a percuté la Terre. Nous prendrons les armes une fois de plus, en l'honneur de Rani. Ok. Allez-y. Bah, c'était bien fun, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, merci encore pour vos abonnements, les copains. Merci pour votre soutien absolument génial. Ciao, les tipettes. Passez une bonne soirée, reposez-vous bien. C'était Dalen. I'm out.